J'ai fait le tri dans mes vêtements et j'ai trouvé plein de vieux collants. Soit je les portais plus, soit ils étaient déchirés, soit ils peluchaient. Bref, importables. Et je voulais pas les jeter, donc je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Alors, avec ces deux collants, je vais vous faire une éponge tawashi. C'est une technique japonaise de tissage. Et avec cet outil, que mon mari m'a gentiment imprimé en 3D, vous pouvez en acheter sur Amazon, mais vous pouvez aussi utiliser un tupperware avec des pinces à linge. Alors moi je trouve ça casse-gueule. Certains prennent une planche, ils y clouent des clous. Il y en a même qui le font juste avec du carton denté. Moi je vais vous montrer comment je fais avec le métier à tisser. Il suffit de prendre les collants et de découper des bandes de 2 à 3 cm de largeur. Ensuite, vous prenez votre métier à tisser, vous placez les bandes horizontalement. Vous commencez par fixer une extrémité de chaque bande sur les crochets de métier à tisser. Vous répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les bandes soient installées horizontalement sur le métier à tisser. Maintenant, on passe au tissage lui-même. Vous prenez une nouvelle bande et vous commencez à tisser verticalement. Vous passez la bande dessous et sur les bandes horizontales en alternant. Et pour la bande suivante, vous faites l'inverse. Si vous avez commencé par passer la première bande sous une bande horizontale, ben cette fois-ci, vous commencez par passer sur la bande horizontale. Vous continuez ce processus jusqu'à ce que toutes les bandes verticales soient tissées. Une fois que le tissage est terminé, il est temps de retirer l'éponge du métier à tisser. Et pour faire ça, vous prenez une boucle et vous la passez dans la suivante. Vous continuez ainsi tout autour de l'éponge jusqu'à ce que toutes les boucles soient sécurisées. Faites attention à ne pas défaire le tissage en cours de route. Et pour sécuriser les bords de l'éponge, vous pouvez faire un petit nœud avec la toute dernière boucle. Et voilà, votre éponge tawashi est prête à être utilisée. C'est une méthode simple et rapide pour recycler des vieux collants en une éponge réutilisable et écologique. Pour le prochain projet, je coupe le bas de mes collants pour en faire des chaussettes. On coupe donc deux bas identiques, puis je récupère la bande d'un collant sans pied pour l'utiliser sur cette nouvelle chaussette. On épingle ensuite la bande endroit sur la chaussette et hop, on va tout de suite se retrouver à la machine à coudre. Alors vous pouvez aussi le faire à la main, c'est juste un tout petit peu plus long. Donc là, il suffit de coudre en tendant bien les morceaux entre les deux épingles. On coupe le fil et voilà, les chaussettes sont prêtes. Alors j'avoue, photo pas top, mais confort assuré. Troisième projet, un crop top. Alors moi, je suis pas hyper fan des crop tops, hein, mais je vois beaucoup de filles les porter, donc je vais vous montrer. C'est fait en 20 secondes top chrono. On coupe un mini triangle à l'entrejambe, puis on regarde quelle longueur on va avoir les manches, et on coupe là aussi. Et voilà, c'est tout. Alors comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas fan des crop tops ni de la transparence des vêtements, donc je vous montre ma version portée. Alors le prochain projet, on peut pas vraiment l'appeler un projet, hein, c'est surtout du dépannage plus. On fait des élastiques pour les cheveux. Ben ouais, parce que moi je les perds tout le temps, donc ça évite d'en racheter. On coupe des bandes, et c'est tout. Voilà le tuto. Avec tous les collants qui me restent, je vais faire du rembourrage. J'ai un coussin qui est ultra déchiqueté et je sais même pas pourquoi, parce que Itaewon il était même pas encore arrivé à la maison à ce moment-là, donc je suis sûre que c'était pas lui. En tout cas, je mets les collants en vrac dans la petite housse pour donner plus de volume. Et quand c'est fini, bah, je me prends pas la tête, hein, je prends une agrafeuse. Oui, je prends une agrafeuse. J'ai pas envie de coudre, j'agrafe. Allez, vous vous calmez, vous allez vous en remettre. Et voilà, on y voit que du feu. Moi j'aime bien. Dernier projet de collant, moi je sors mon applicateur de strass que j'ai acheté chez Action. Je mets donc mes collants et je positionne du washi tape aux endroits où je veux déposer le strass. Ensuite, je mets du papier sulfurisé sur une bouteille que je mets dans les collants pour simuler la courbe de la jambe. Et là, je positionne les strass comme je veux, je les dépose tout autour. Alors, 5 secondes de chauffe et ça tient nickel. Vous pouvez vous lâcher, hein, vous pouvez faire des motifs, des lignes, bref, moi je fais au plus simple. Et ça donne ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de upcycling. Laissez-moi en commentaire ce que vous faites avec vos vieux collants. Et laissez-moi un abonnement si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma petite chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine!